Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on est sur Héros et Généraux. Je suis un aviateur, je fais un premier tour pendant la première minute. Un joli triple kill dans deux Red Army Man, je vous l'avoue. Avec ma première bombe en fait. Ah, salut toi. Voilà, et j'ai un peu raté mon coup en avion, à vrai dire. Merci. Oh, j'ai été retouché, désolé. Ah bah voilà, c'est fini pour moi. Bah c'est l'occasion de retourner dans les airs. Pour l'instant, ils ont sorti 0 avion et nous 3. Je sais pas pourquoi les chiffres ils s'actualisent pas super bien. Moi j'en ai détruit un donc j'ai un allié dans les airs. Il y en avait 48 au début. On va attaquer. Je sais pas si je vais voir des blindés ou pas. Là, je vois personne pour l'instant. Mon allié il est là. Ah, il y a un blindé juste là. C'est pour nous. On descend doucement. Ah, j'ai fait une grosse bêtise. Sur le redressement. Bon. Après tout, c'est des sous que ça va me coûter, hein. Je ne peux. Je vais moi-même être embêté. Parce que ça me coûtera. Ah, il y a un ABC. Changement de plan. On va sur l'ABC. Oh, c'est beaucoup trop chelou la façon dont il fait bouger, je trouve. Action par bombe 4. J'ai refait des dégâts du blindage et éléments de véhicule détruits. Ok. Un petit Red Army Man, c'est gratuit. Et ensuite, il y avait un APC ici. On va trop vite avec ces avions, je suis plus habitué. Trop jouer avec les petits. Ah bah, mon pote l'a eu. Ok. On va rester très haut pour pouvoir piquer à un moment ou à un autre. Parce qu'il y a toujours ce blindé là. Ah. Oh là là, faut que j'apprenne à raccrocher mieux que ça. Je fais 7 de dégâts du blindage, mais je me crache comme un gros caca. Bon, c'est aussi marrant, je trouve, de pas avoir d'adversaire en avion. Je vois plus personne. On redresse. On va où? On va là où? Ah, regardez-moi ça. Ouais. J'allais trop vite. Il y a un blindé sur le point, j'aimerais le toucher, mais alors. Est-ce qu'il est mort celui qui était là? Oui. Je pense que j'ai tiré trop loin. J'ai détruit des réservoirs de carburant, des trucs comme ça. C'était bien. Pas eu le joueur. Encore un peu, puis repliquer sur le blindé. C'est pas que j'aurai le coquille, hein, vu les dégâts que j'ai fait. Même si c'est mon allié qui l'a, je veux dire. On redresse, on évite l'arbre, on évite la maison. Oula! J'ai encore pris trop de risques, à mon avis. Assistance, destruction de blindé, assistance, destruction de véhicule. Ça vaut la masse de points. C'est très bon pour moi. Alors, on va redescendre doucement. Doucement, doucement. Je vois plus de petits fantassins. Ça m'a tiré dessus. Toujours pas d'avion dans les airs. De leur côté. Bon, ils ont sûrement des défenses antiaériennes, mais. J'arrose la sortie au cas où
fantassins qui passent, mais apparemment il n'y a personne. On m'a dit que les munitions qu'on ne pouvait pas choisir étaient gratuites en coût de rechargement. Donc pour moi. Oh, je me suis raté sur la bombe. Dommage. J'ai mis des bombes mieux placées pour moi, c'est-à-dire les bombes et les mitrailleuses. Et l'arme principale, en revanche, je paye ce que je tire. Donc si. Bon, c'est aussi très cher de spawn un avion, mais. Si je veux limiter mes coûts, je sais ce qu'il me reste à faire. Ah, ma bombe aurait été plus utile, peut-être pas, vu qu'il vient de se faire une grenade. Il y a bien que ces deux lignes-là sur lesquelles ça se bat. De ce côté-là, ça c'est quoi? Une voiture alliée, visiblement. Casser une roue, mais. J'aurais dû prendre un bombardier, quitte à être tout seul. Ne pas embêter. Alors, qu'est-ce qu'on. On contrôle pas B3 en fait. Un joueur là. Moi qui rêve. Obligé de raccrocher. Enfin de relever, je veux dire. Il y a un blindé sur le pont. On va essayer de le prendre de ce côté-là. On va avoir notre bombe toute prête pour lui. Tourne, 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 tourne. On relève, on tire. Ah, j'ai réussi à rater la bombe. Au moins les tirs d'avion, une fois qu'on est bien dans l'axe, on touche. Alors que la bombe, il y a encore moyen qu'on rate, même en étant proche et tout. Et il est déjà mort? Non, c'est une blague. Je sais pas où il est. Il y en a un près de leur spawn, là. Spawn des blindés, sûrement. Il est allé au spawn du pont, mais il prend la direction de l'autre truc. On redresse. Juste pas que je touche mon pote. Comme on était à peu près dans le même axe, j'ai rejeté un coup d'œil de sécurité. Voilà, on refreine. On redresse. Là, je veux le coquille là. Hein. Ça rapporte tellement que. Ah, je l'ai pas eu. J'ai eu l'aviateur. Le kill de l'aviateur m'a rapporté 20 d'XP. Oh là là. Il y a un nouveau blindé sur le pont. On fait tout un tas de petites cibles. Moi je trouve ça chouette. Je le vois plus, il est là. Vas-y, il se pointe. Attention. Ah mince, j'ai fait un tir ami. Il y avait un mec vraiment proche. Ah, je suis désolé, mec. Apparemment, il m'en veut pas trop. Il considère que c'était légitime. Hop, ouais. Bon, là, je suis passé au milieu de ses tirs. Donc, parce qu'il aurait pu faire de mieux. En plus, j'ai un peu raté ma bombe. Le nombre de dégâts que j'ai fait. Au moins, j'ai touché. Parce que ça arrive quand même très souvent que ça rate tout court. Ah, il n'y a plus personne. Ok. On contrôle le pont. Mon allié, il a un Messerschmitt aussi. Pas un Focke. Je sais pas si jamais je suis dans une partie pas max parce que. Dans les Messerschmitt. Je sais pas si jamais le groupe de recherche de partie est pas or. Parce que justement, j'ai pas le dernier avion. Oh, encore un joli petit blindé là. Je vais pas avoir beaucoup l'occasion de tirer dessus, mais. Soit si je me mets bien. Allez, on relève, on relève. Ah mince. Voilà, c'est ça que je dis quand je dis que je me foire. Je voulais le tuer très très vite parce que je savais que lui il était pas loin. On va changer un petit peu, on va prendre Agibou avec un véhicule. Ah, je voulais essayer Sulfur Salaire sinon. Qui est mon autre anti-tank très courant. Le blindé, il est là.
Ah, ouais. Ah, cours. Ouais. Changement de plan. On va pas insister. On va juste prendre un avion et celui-là, faudrait que j'évite de le crasher vu le coût qu'il coûte en à respawn. Ce serait bien. Je pense qu'on va nettoyer ce secteur-là à peu près. Et il est encore beaucoup plus rapide que l'autre. Qu'est-ce que ça donne la bombe? Pas mal. Pas mal, pas mal. Action par bombe 2. Ah non, pas si bien là. Je croyais que j'avais fait mieux. Action par bombe 2. J'ai fait élément de véhicule endommagé 2. Encore un peu raté. Bon, c'est pas tellement grave. J'ai l'impression qu'il y a une défense antiaérienne qui m'attaque. On va faire comme si elle n'était pas là pour l'instant. On dresse. Là, j'ai encore fait 2 du dégât du blindage. Donc, j'ai pas énormément tiré. Cet avion, c'est censé être le top du top quant à sa vitesse de rechargement. Enfin, à son stock de bombes, surtout. Et de munitions diverses et variées aussi. C'est censé être l'avion le plus efficace, pas dans les combats dans les airs, mais dans les combats contre des chars, des fantassins et tout. Donc vu que nous n'avons que ça pour l'instant, je me dis autant en profiter. Alors, on perd aux deux. Défendez. C'est vrai qu'il y a des fantassins adverses dessus, on peut peut-être lâcher une petite bombe. Je sais pas ce que je vais voir. Il n'y a plus le blindé là. Visiblement non. Ah, il y a juste un mec à la défense antiaérienne à part ça. Ça se trouve, il y a un seul type. Et il capture quand même. Bon, ils touchent, mais ils font zéro dégâts les défenses antiaériennes. Je pense qu'ils ont beaucoup de mal à toucher. J'ai abondamment mitraillé la défense antiaérienne. Même si elle rapporte pas d'XP, je pense que j'ai bien touché. Élément. Oula, il a foc 3 mecs le. Ah si, donc il a un foc. J'avais pas reconnu. Est-ce que la défense antiaérienne a réapparu? Il y a un truc là? Ah oui. Oh non! What? C'est le blindé qui m'a tué. Oh là là. Je m'y attendais pas. Bon, on va changer un peu. On va affronter les blindés plus terre à terre. C'est l'occasion de le dire. Alors, il y en a peut-être un qui a tenter la traversée là. Là, il y a un type. Ah, je l'ai juste frôlé. Le truc, c'est que j'ai juste un Panzerbush. C'est pas idéal pour faire ça. Ah, c'était un joueur ça en plus. C'est pas grave, on recommence. Il m'a one shot le char, je pensais pas que ce serait comme ça. Je croyais qu'il m'avait tué à la tête ou un truc comme ça, mais. C'est dur de voir à travers les feuilles. Y a quelqu'un qui me tire dessus, ouais. On va
va repartir en avion avec le gros. Puis voilà. On va tenter de faire encore quelques kills, quelques points et tout. Je me suis fait 500 points quand même. À peu près qu'en jouant en aviateur. Encore un blindé là où c'est fini. Oh, je me suis dit, si je prends cet arbre juste après avoir respawn, c'est quand même triste et c'est quasiment c'est ce qui a failli m'arriver. Voilà ce que je voulais dire. Alors, il y a un véhicule par là. Faut que j'utilise mes deux bombes pour que ça commence à recharger. Mais je vois absolument personne. On peut aussi bomber sans voir. Parfois ça passe. Là par exemple, il y avait un type au pied du pont. Si j'avais bombé au pied du pont, j'aurais eu son kill. Au pied côté terrestre quand même. Là, il y a un véhicule qui arrive. La logique voudrait qu'il soit à peu près là. Légèrement touché. Je voulais tirer ma bombe plus loin. Il y a visiblement des gens par là. Est-ce que j'arrive à toucher le pont? Oui! Action par pont parce que j'ai détruit un véhicule, j'ai détruit tous ses éléments et tué un joueur. C'est nickel. Est-ce qu'on voit des gens? Pas vraiment. On va quand même bombarder. Faut pas que je rentre dans mon allié, hein. On est deux dans les airs qui sont immenses. Ce serait dommage qu'on se casse. Je vois personne. Si, il y a des fantassins. De l'autre côté, de notre côté de la rivière en fait. J'aurais dû prendre un peu plus d'élan. Ouais, ils sont pleins là-bas en fait. Petite bombe, ce serait pas mal. Je suis pas beaucoup pour l'instant. On relève, on relève. Il y a des gens sur le point là, il y a un type qui passe en moto. Je vois quand même plutôt bien de loin. C'est une bonne nouvelle pour moi. Est-ce qu'il y a pas des gens? Non, il se cache, je sais pas trop où il est. On continue. On remonte. On sait toujours. Je monte, je descends en tapant. Comme les avions de parachute en fait. Parachutiste. C'est assez répétitif, mais bon, c'est ça qui marche. Ah mince, je pense que j'ai raté ma bombe. Ouais, carrément. Je me suis rendu compte que j'avais une bombe un peu tard et je me suis dit, allez, on tente. Et après, l'instant d'après, je me suis dit, non, j'aurais pas dû tenter. Alors là, il paraît qu'il y a un véhicule là. Un blindé. Ok, on va garder notre bombe pour être sûr de bien la tirer. Il est bien sur un côté du pont. On va essayer de tirer absolument sur le pont. En tournant comme ça. Voilà. Hop, le blindé. Yeah! Arme détruite, vous avez blessé, action par bombe. Me voilà à 750 points. Je viens de me faire shoot une aile. C'est à ce genre de moment où ça vaut la peine d'atterrir. Je pense qu'il n'y a personne ici pour m'embêter. On va à plus la moitié de mon avion en termes de dégâts. On va atterrir. Oh mon dieu, il fait n'importe quoi cet avion! Oh là là! Vous l'avez vu faire? N'importe quoi! Il s'était mis bien, il a touché le sol, il a fait vroom! Je pense que j'allais trop vite encore. Mais en même temps, je voulais pas trop tourner. What? C'est bien ça. Bon, bah, on en a perdu un de plus. Je sais plus combien il coûte à spawn, mais il coûte cher, ça je sais.
Mais bon, si chaque avion me rapporte 250 points, est-ce que c'est pas rentable? Moi, je pense que il y a moyen. Hop, j'ai eu le mec. Oh, j'ai tellement bien visé, vous avez vu ça? J'ai explosé sa truc en un passage. Quand les avions ennemis ils font ça, je me demande, est-ce qu'ils trichent? Enfin, comment c'est possible, quoi? Ah, il y a un blindé là. Hop, pousse-toi le petit fantassin. Apparemment, je l'ai pas tué. Je sais même pas si c'était un allié. Si, je crois que c'était un allié, justement. Quoi, il est déjà mort? J'hésite à me reposer pour me re-réparer. On va dire que mes éléments de véhicule sont tous au moins à moitié de vie. Et mon avion est en très bon état, alors on va pas se poser pour l'instant. Il y avait un véhicule là. Je me demande ce que c'est. C'était un véhicule civil. Alors il y a un blindé qui tente de se cacher. On l'a bien vu. Il est là. On redresse. J'ai détruit un réservoir de carburant. Il y a des véhicules. Il y a des blindés comme ça qui, sur le dos, ont deux réservoirs du carburant. Mais genre quasiment complètement visibles. Pas du tout cachés et tout. Peut-être que c'est pour éviter qu'ils explosent en interne. Ça, je comprendrais tout à fait. Mais ça fait quand même très étrange. C'est-à-dire, comme si jamais on portait le cœur. C'est pas le moteur complètement, mais si on portait les connexions du cœur à l'extérieur de notre corps. Bon, il y a des organes qui sont à l'extérieur du corps, mais. Je me fais des frayeurs incroyables. Alors, est-ce qu'il est toujours vivant? J'ai pas eu le kill, donc on va dire que oui. Et la réponse est non, apparemment. Alors, il y a du monde là. Faut que je redresse. Yeah! 4 kills! Dont 3 Red Army Man, bien sûr, mais. Ça rapporte beaucoup moins. De points, de score et tout. Bon, c'est des kills, mais. Les kills en soi sont pas particulièrement intéressants. Hop! Où est-ce qu'on va? Je crois que je vois des bonhommes encore au niveau des caisses de l'église. On va mettre l'attaquer là-dessus. Ah, ils sont bien cachés. Oula, bon bah, je sais ce que je vais faire moi. Allez, allez. Fais pas le neuneu. Voilà, j'étais sûr que tu étais capable de bien me poser. Hop, il y a quasiment la queue cassée, donc je suis pas mal comme ça, non? Hein, vous en dites quoi? J'ai un meilleur champ de vision. Moi, bon, je peux aussi me mettre comme ça, mais ah bah il est déjà tout neuf. Ça réparait super vite. Donc là, c'est plus grave si je sors de carte. L'important c'est que je décolle sans recasser mon avion de préférence. Genre là, il y avait un petit machin, une espèce de petite butte. Qui aurait pu me recasser mon avion, mais. Un petit peu, bien sûr, à chaque fois c'est un petit peu. Quand on fait des petits chocs. Alors. Ouais, bon, c'était des tirs vraiment très aléatoires et très improbable que ça touche, mais. Ah, il y a encore l'anti-aérienne là-bas. Ce truc-là, c'est aussi un point qu'on doit capturer, non? Non. Ah, on l'a déjà! D'accord. Bah, si on l'a déjà. Attendez, on va continuer. Si jamais je tourne maintenant, je vais pas arriver à toucher la défense anti-aérienne. Là, on a un bon angle. Voilà, on va dire qu'elle est finie. On va lancer de la bombe. Là! Hop! Je l'ai lancé beaucoup plus loin que ce que je voulais, mais j'ai touché un mec. C'était quand même dans le point, faut dire.
Là, on a visiblement un autre blindé qui est sorti. Hop, on redresse. Pendant un instant, j'ai été dans le coin. J'ai bien mis l'ordre attaquer. Je trouve que c'est marrant d'être aviateur sans adversaire. Ah, il est déjà mort encore. Pouh. Quand tu fais de la fumée blanche, c'est dur de savoir si jamais il est mort ou pas. Il reste 3 minutes d'ailleurs. Je pense que d'ici 3 minutes, il y a moyen qu'on ait gagné. Avec notre soutien incroyable. J'ai vu personne, mais ça aurait pu passer, hein. J'ai tiré là où il passait en théorie. Ah, sauf qu'ils viennent surtout de la ligne d'à côté, visiblement. Oui, il a l'air mort. Il y a 7-7. Comme ça, j'ai l'actualité en direct. Mais ils ont perdu la ligne à côté, donc de toute façon, ils ont plus qu'un spawn dans la forêt. Dans la forêt, le truc, c'est qu'on les voit très très mal. Mais c'est pas un souci en soi, hein. Faudrait plutôt que j'arrive systématiquement de l'autre côté. C'est pas trop possible. Un petit fantassin là. Faut pas que je me baisse trop. Allez, on relasse. C'était nickel. Je l'ai tué très très vite. Alors, on a à nouveau deux bombes. Moi, je dirais, j'en lance une sur l'angle du spawn de l'église qui est loin de O2. Genre là. J'ai vu un mec. Hop, et j'ai lancé les deux directs. Et j'ai pas touché la deuxième. La deuxième était arrivée un peu trop tard. Je sais pas si on peut spam la touche espace pour que les deux bombes se lancent vraiment proches. Il y a plein de monde. Je sais pas si j'ai intérêt à gagner maintenant, moi. J'ai encore un avion en très bon état. Ah bah, c'est pas comme si j'avais le choix. Non, Lily. Non, Hydrolien, tu as été trop efficace. Tu n'as pas le droit de ne pas terminer cette partie. Bon, ça m'a vachement plu.